de la coalition d'Amouka qui va porter sur l'actualité de l'heure. Sans entrer dans la matière, je vous propose d'écouter le coordonnateur Adolphe Mons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'il vous plaît, messieurs de la presse, je voudrais au nom de l'AMOUKA, vous remercier d'avoir répondu nombreux à cette activité. Chers compatriotes, vous le savez bien, notre pays ne va pas bien. À l'est de la République, nous venions à la suite de la catastrophe naturelle d'enregistrer des vies humaines, la mort des vies humaines, la perte des vies humaines. Hier encore, une dizaine de morts sont tombés et tombés à Béni. S'il vous plaît, messieurs de la presse, je voudrais vous demander, les compatriotes principalement qui sont assis et derrière, qu'on se mette debout pour une minute de silence en mémoire des disparus. Merci. Merci, chers compatriotes. Comme je venais de le dire, à l'est de la République, dans l'est de la République, l'insécurité bat son plein, malgré les fameux états de siège. Des morts qu'on enregistre chaque jour, en Ituri comme au Nord Kivu. Hier encore, 12 Congolais sont tombés, égorgés à Béni. Après la catastrophe naturelle, nos frères souffrent et souffrent encore. Nous avons, comme l'AMOUKA, lancé un mot de solidarité et nous avons demandé aux compatriotes, chacun en ce qui concerne, d'orienter la pensée, mais aussi le soutien matériel dans l'est de notre pays à travers les organisations caritatives. Nous remercions de ceux qui ont déjà posé les gestes. Comme si cela ne suffisait pas, ici à Kinshasa, M. Tshisekedi, Nakoloba na linga la peine en français. Pourtant, on a l'obé na bino wa minuit na la romandresse. Bino vous a kakarele na peuple yemoko, peuple congolais. Pas sur tous en angolouola et kouka kite, M. Tshisekedi. Na ba lieutenant na yé na Assemblée nationale avec en tête M. Mboso Kodia Kwanga. Alors qu'il n'y a pas deux semaines, l'AMOUKA attira qui attention na bango ba député. Pour la voyage du Sabango, pour la sécurité en Moka, cohésion nationale, stabilité, aussi les salikamoué, légitimité, où ils ont bafoué souveraineté, la bisopé à peuple, tous à la Bomoko, pour la ndenge à Kosal et la Mobeko, où ils ont kamba, séni. Tolobi, tout séni, où ils ali, yaba politicien. La moto na yango, to na bureau. Et ça, bakamba yango dans le parti politique, tout le militant n'a pas. Pour tous une expérience, mingi na CENI, on a dit, banda 2006, ti siga a voyé, na 2018, une catastrophe de sous. Et là, CENI, président, vice-président, on a dit, représentant du parti politique. Plénière, pays, ils étaient tous les alas qui. Mais il y a une bonne à contrôler, pour sanctionner, mais ça, il y a l'exécutif où ils allaient plutôt le bureau de la CENI. Puis l'administration, il y a une bonne à mon tour, il y a un président, un vice-président, et puis il y a une bonne conduite, bango kaka bango. Donc il y a une partie politique. On te le dit que pour l'élection, il y a une bonne neutralité, il y a là. Il y a une prise à l'indépendance, indépendante. Et à l'occasion, le match de football entre Barcelone et le Real de Madrid. Il faut règle
du jeu et à la définir par Mibeko Yamboka, pour la Ligue. Arbitre peut pas pour naïe na Ligue. Et à la tête, Mibeko Basala en Kamikoloana, ou ils ont au match Yoana, peut arbitre pas pour naïe na Kaya Real. Et il y a un jour ça la tout bon arbitre, ou des panaïe Mibeko peut ou la présidence n'a pas ouvert parti à ya club n'a pas ouvert. Sur le bito, personne n'a pas de chance. Biso va partir le politique doit le voir à club toujours ça la compétition. Faut arbitre à la naître, mais Mibeko peut et où t'as un groupe d'un qui n'a qui du mauvais. Des loups de Sengaki. Au sol Sengaki, Bamso va dire que tu as dit radical. T'es tout comme une radical pour toi, Senga Makambo, Bamba Kokite. Zogande, Yaonde, Salan Kemokili. Mbokana mboka ezala ba respecter yango pona bakonzi ba bima suivant règle du jour peuple yemo kwa ponaki tolobi bongo basali wa bayoki nzoka bayoki te lelo ndenge toloba boye ba bandi deja ko voter mobeko ya bango oyo e tolobi loi sur la CENI yango mobeko yango ezali totalement politisé et nkuluwa ati président à Kourouta, société civile, soi-disant, mais tout le monde doit reparrainer. Surtout le bas qui prend la présidence, un, est à la collégiale et tournante. Et puis, dès que le bas que président soit là, et Outa, n'a pas parti, n'a pas au bout de la vie, tout le monde va faire la compétition, et Outa n'a pas confession religieuse. Mon copété, mon nion, son miné, tout le monde, oui, moi, mais. Bas ou engagement que par onde va au Cambali comme élection. Ils ont souhaité nous baser au parrainer par l'Église soi-disant. Il y a mis bas tout le monde que l'Église du pétan va diriger bureau bas aux ala bas au monté bas au sanganana société civile. Pour bas l'année là bas. Biso parti politique le quoi biso des toiles de compétition tout signe que tous à la carte la plénière pour na kota l'année ni bas au salam Mobeko. Tant que Bassali Moussala, plutôt Bassala Moussala élection, tant que Bassisi Moussala, avant Bassali Loko, va passer l'étape suivante, Bissot, tout tali, tout sanctionné, Bissona Bango, Batua Biro, pour avoir le bas, du Kamboyo et Salim Malam. Pour vous gérer, tout ça, on va battre mon bazar au tala pour la Okengela, ma bise à la qualité. Ensuite, tout le bip, administration, plutôt de concentrant, vous en avez beaucoup et à commission, mon côté. Alors, Bango Basali Ndengo Bambalingi. Bisona Bino Tuebiza Ponani. Balingi Seni Ezalana arbitre te Ezala Motua Kana Bango Batua Kana Bango de Bawasali sa compétition arbitre qui ne sont pas neutres. Balingi élection Ezala transparente te. Pour Bayeli que soit Ezala transparente, Ban Bango Kate. Ils sont venus par la fraude. Ils veulent se maintenir par la fraude. Qui a bu boira? Il y a un moni tout lobby boui. Tout kobunde la école. Peuple à kobunda. Ti souka molongo si c'est nécessaire. Parti au yza konyon ngabiso, konyon kolabiso. Les alu IDPS. La Tshisekedi. Bango baouti na lutia. Batumsu bazar kokanisa bisonde la muka to bandi résistance. Te, walinde ba descendant ou tout ça pour hériter lui tout là. Il y a des PCS qui opposition, te, palou les alaka opposition, la ba résistant. Opposition, ni kolo ba ou baza y kolo ba na mou tout par place ou la budget na ya malamoute. Place ou la côté social nous ont respecté malamoute. Baza y kolo lande la mou tout bon, te ba y kolo ba système na yeza ki ma be, il fallait système longwa. Va remplacer non pas par Bango mais par un autre système où ils allaient na ma beaucoup appelé les peuples vaincus ni kouba yenda okoma mokonzi bonga kocha oyalingi nde etumba IDPS la qui s'est sonna ba palua na biso nyonde etwali a toi ba descendre ba arme bazayi ko pesa biso lokola biteyolo ce qui bitey enseignement tozana yango ekocheru. Tout ce qui jamais collé fort des armes, ou tout ce qui n'a pas enseignement, Bango entre autres. Et bien, il y a tout ce qui dit que Bango va se comporter pour Nangaï, peut-être pour la Bango.
La première, première raison. Deuxième raison, c'est qu'on s'est vengé contre le peuple. Voilà la double vengeance de l'UDPS et de M. Tshisekedi. Maintenir ensemble Bitumba ou de Babandaki, de Bandaki ensemble, parce que ce sera descendant. On ne peut pas nous impressionner pour ça. Aza descendant. Moi, je suis descendant. Donc, on ne peut pas nous impressionner. S'il faut reprendre la lutte au père fondateur Vatican la Bissou, ou la relancer, parce qu'elle a toujours, elle est toujours là. Pour ça, là, yango. Pour Bako Souka. Bissou, t'es au succès, ça va vous dire. Parce que toi, nous avons un individu, tout le monde est là, force, nous avons tous les gens qui sont là pour la bisoute. Ce sont des élections transparentes, c'est neutre, les abisoutes, les peuples, les lignes, les ala neutre, pour que nous avons dit que nous avons dit que nous peuple dit que nous avons dit que nous avons Il a déjà deux contentions. Premièrement, c'est d'être mis à la tête du pays sans le mandat du peuple. C'est une provocation. Le deux, avoir échoué socialement. Union sacrée, c'est un simple prolongement et la FCC cache. Ils ont la CENI à individu, et il n'y a pas de parti politique au pouvoir. Il y a un peuple à se tenir prêt pour un mouvement autour de ça, une manifestation autour de ça, pacifiquement, dans la durée. Malembe, pour le Congo et aussi la terre, on est aussi là. Sauf si le président est en train de mettre à la disposition de Bino pour mettre à Bino pour le Congo. Merci beaucoup. Merci. Mais, monsieur le coordonnateur, si vous voulez un résumé français. Puisque... En tant que coordonnateur de la MOCA, je suis accompagné du président élu, membre de la MOCA et du Président. Je viens protester vigoureusement et rigoureusement devant vous, la presse, et à travers vous, devant le peuple congolais, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, à savoir la manœuvre visant à adopter unilatéralement, sans minimum de consensus, sans consultation, une loi essentielle, celle qui organise la CENI, par laquelle le bonheur ou le malheur du peuple congolais peut arriver. C'est par cette CENI-là que les élections 2018 ont donné des résultats falsifiés que nous connaissons. Nous avons dit d'abord, dans la démarche de la MOCA, qu'on puisse récompter le voix, on ne nous a pas écoutés. Qu'on puisse reprendre les élections après un délai de réforme, on ne nous a pas écoutés. Nous avons dit très bien, le mal est arrivé, il devait arriver,
malheureusement, malheur à ceux par qui les malheurs sont arrivés. Mais nous pourrons les positiver en disant, tiens, ceux qui ont pris le pouvoir par la force, pour avoir lutté longtemps, peut-être qu'avec ce mal, ils feront le bien. À savoir qu'ils vont démocratiser. Nous avons dit, donnons la chance à ce peuple, en considérant qu'avec ce malheur, il pourra refonder l'État fort de cette triste expérience qu'il faut positiver. C'est pourquoi nous avons dit, la chance consistera à ce que cette fois-là, qu'on tire des leçons en faisant des réformes qui permettent de corriger la configuration de la CENI, ainsi que des réformes concernant tout ce qui touche aux élections. Nous avons fait des propositions qui consistent à dépolitiser la CENI, qui consistent à la rendre neutre. Et les autres, non seulement ils n'ont pas pris en compte ces décisions, ces propositions, encore que pour nous, ces propositions n'étaient pas nécessairement les meilleures. Nous pensions que c'était une idée, mais l'essentiel, c'est la forme qui consiste à consulter les autres, à discuter, pour qu'on dégage une synthèse, pour que cette loi-là, c'est une loi pour des compétiteurs, ce n'est pas une loi pour la nation dans son ensemble de manière diffuse. Nous la voulons neutre. Et les instruments qu'elle va utiliser, les acteurs aussi, soient neutres. Et qui est en fait un dispositif qu'elle sous-tend et qui permette que les élections soient apaisées. Pour que, au moins, après les élections, que nous soyons ensemble, les uns dans l'opposition républicaine, les autres dans la majorité. Et pourquoi pas, les élections peuvent aussi nous réconcilier. Nous pouvons gagner ensemble. Mais ils ne veulent pas. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que nous puissions perdre tous. En tant qu'élite politique, oui, mais le peuple ne perdra pas. Voilà notre enseignement. Nous disons, c'est pas tard. Ils sont encore en train de travailler là-dessus. Ils peuvent toujours se remettre en question et commencer des consultations. Ça prendra la forme qu'on voudra. De toute façon, les dictateurs, on ne négocie pas avec. Les dictateurs, on s'en débarrasse. Si nous demandons de discuter, c'est pour expérimenter, de sorte que si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, le peuple prendra ses responsabilités. Et de plus en plus, nous sommes en train de l'inviter à cet effort-là qui consiste à dire, c'est lui le souverain, il va s'approprier le processus. Et ceux qui ont, comme l'histoire nous l'enseigne, qui s'entêtent, qui défient le peuple, ils finissent par sortir par la petite porte. Merci beaucoup. L'un d'entre eux, qui revenait du Nord Kivu il y a quelques jours, nous a confirmé qu'à l'Est, c'est le nom des Fayulu dans la bouche de la population. Face à de telles évidences, de quelle force ou sur quoi la Mouka va s'appuyer au moment venu afin de répondre et de posséder cette nouvelle victoire si jamais vos détracteurs venaient à opérer un nouvel ordre électoral déjà en chantier présentement à l'Assemblée nationale. Vous êtes sans ignorer beaucoup vous acquises d'avoir laissé Kabila et Félix Tshisekedi vous répondre aussi facilement votre écrasante victoire de 2018. En plus, la démarche de la Cour constitutionnelle n'avait produit d'effet. Deuxième question, Président. Qu'en dites-vous des reproches faites sur vous par certains courants politiques comme quoi votre radicalisme et l'hérité de l'efficace va vous desservir aux yeux de la communauté internationale et faire l'affaire de vos adversaires. La dernière question, pourquoi, Monsieur le Président, vous laissez Massé Valentin Moubaki évoluer en solo alors que nous vous avions vu afficher avec lui lors des lignes de vos sorties au CEPAS et à la messe d'Étienne Tshisekedi à l'ENA. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi M. Moubaki ne prend-il pas les trains alors que celui-ci est très avancé déjà? Vous parlez déjà que la loi est déjà débattue à l'Assemblée nationale, en catimini, comme vous le dites. Et si je ne me trompe pas, vous êtes tous les deux députés, si je ne me trompe pas. Alors pourquoi vous n'emmenez pas ce combat-là à l'Assemblée nationale? Qu'on le veuille ou pas, c'est là-bas que les grandes décisions se prendront. C'est vrai que la rue peut porter sa contribution ou son appui, mais au final, c'est à l'Assemblée nationale
que se prendront les décisions? Et vraiment, permettez-moi une deuxième question, c'est par rapport à nous journalistes. On nous traite, nous journalistes, d'être des marchepieds des politiques. Aujourd'hui, tous les politiciens ont leurs journalistes. Permettez. Alors, je voudrais bien savoir si la Mouka a aussi ses journalistes. Merci. Merci. Une autre question pour la parole. Il y a un autre débat qui s'invite aujourd'hui sur la scène politique. C'est le verrouillage de l'accès au poste de souveraineté, notamment à la magistrature suprême. Il y a, pour ne pas les citer, Noël Tchani, qui estime que ces fonctions ou ces postes devraient être réservés uniquement aux Congolais nés de père et de mère congolais. Quelle est la position de la Mouka? Merci. Je vais le laisser y répondre, mais peut-être dire un mot sur les alliances éventuelles. La Mouka est ouverte. La Mouka est ouverte, les alliances sont en perspective. Mais c'est des alliances sur deux tableaux. La lutte pour l'autodétermination du peuple. Vous voulez être des nôtres, tant mieux, nous serons ouverts à ces propos. Nous ne pouvons malheureusement pas être dans la lutte pour l'autodétermination, parce que nous posons comme postulat, le peuple ne sait pas autodéterminer, en ce qu'on ne les laisse pas choisir librement. Et quand même il choisit librement, son choix n'est pas respecté. Ça, c'est la lutte, en fait, qui est la lutte des libérations ou la lutte pour la démocratie. Deuxièmement, la lutte pour la gouvernance. Nous devons travailler dans la durée pour construire une offre politique, un contrat social. C'est une question de vision, une question d'idéologie, une question de parcours des uns et des autres. Nous devons aller vers la synthèse. La Mouka ne veut pas arriver au pouvoir comme ça va être le cas et avoir des difficultés sur les options à lever par rapport à la gouvernance, les difficultés à faire adhérer sa vision à ses propres militants ou aux militants de partis membres de la Mouka. Nous devons profiter de l'expérience des alliances actuelles qui ont des difficultés pour définir une vision et qui passent le temps à se quereller pour des postes, à se quereller sur les réformes engagées, à engager, d'abord à élaborer et à mettre en mouvement. Donc, nous sommes ouverts. La deuxième question. Pourquoi nous ne luttons pas à l'Assemblée nationale? Mais l'Assemblée, c'est par là que le mal est arrivé. C'est la consécration de l'imposture et de l'escroquerie de la souveraineté du peuple. Nous n'y avons pas la majorité. D'ailleurs, personne n'y a la majorité de ceux qui sont là-dedans. Vous voyez comment ils divaguent, ils vont d'ici à là. Donc, c'est des gens sans conviction. Et déjà, ils ne sont pas respectueux des couleurs sur lesquelles ils ont été élus. Encore faut-il qu'ils aient été élus. Ce combat, c'est un combat de résistance contre l'Assemblée nationale. Je suis désolé de le dire, les députés n'ont pas été tous fraudeurs, mais ils sont entrés dans ces moules-là. Et donc, nous ne pensons pas que nos idées peuvent triompher. Deuxièmement, vous devez savoir que les lois ne s'élaborent pas au sein de l'Assemblée. Le projet des décrets ne s'élabore pas nécessairement au sein du gouvernement, au sein du Conseil des ministres. Ça s'élabore au bureau des ministres ou à la maison. Donc les lois, projets de lois et même, disons surtout les propositions de lois, s'élaborent au sein des appareils politiques, à côté des syndicalistes, c'est dans les faits privés qu'on les élabore. Au Parlement, c'est pour des aménagements techniques. C'est ce qui fait que la loi ressemble toujours à la majorité dont elle est l'émanation. Nous disions que nous avions des propositions et nous voulions un espace commun où nous discutons pour lever les options. Parce que si nous étions tous des mêmes partis, la loi, avant qu'elle aille à l'Assemblée, elle doit discuter au sein de l'appareil politique. C'est ça, ce cadre qui, cette fois-là, serait pluraliste pour formaliser et nous mettre d'accord et considérer qu'en tant que, globalement, des gens qui partagent la même vue quant à la neutralité de la CENI, nous dégageons l'option. Et sur l'essentiel, l'Assemblée s'est dit, un débat technique qui allait à l'autre. Tel n'est pas le cas. Et ils ont préféré en discuter en privé entre eux et nous mettre devant le fait accompli au sein d'une institution dont ils ont une majorité fabriquée.
Voilà pourquoi nous ne pouvons pas y combattre. En tant que journaliste, c'est classique ces raisonnements. Nous n'avons pas besoin d'être politologue pour accéder à cette réflexion-là. Donc, la presse devait, par principe, éviter de nous déranger pour rien, pour cette question qu'elle comprenne. Sauf qu'évidemment, souvent, les questions, vous ne les posez pas pour vous-même, vous les posez pour l'opinion. La troisième question. L'AMOKA a-t-il sa presse? Je ne crois pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne mon parti, je n'ai pas ma presse. Encore que, pardonnez-moi de dire que je me plains de ce que les journalistes, comme la classe politique, moi compris, ne soient pas à la hauteur des enjeux. Les premiers problèmes, c'est que nous quittons les vrais problèmes, on est dans les divers, dans la chamaillerie, dans la polémique, c'est qu'ils nivellent les débats vers le bas. Moi, par contre, j'aime être avec des amis journalistes. Nous avons tous fait les mêmes études, hein, le même parcours, sauf que vous avez choisi d'être toujours journalistes, nos politiciens. Nous avons les mêmes faiblesses, les mêmes. Les gens, nous, on ne communique pas. On est tous dans la polémique. Je parle de la classe politique de manière générale. Je mets ça très mal à l'aise. Et donc, peut-être de plus en plus des amis avec qui j'ai discuté de ma vision et de la manière dont je vais voir les problèmes du pays posés par les journalistes, les contenus du débat. Peut-être qu'ensemble, on peut évoluer et avoir une certaine proximité quant à la manière de traiter le problème du pays. Donc, je n'ai pas des journalistes et je ne pense pas que le président Fayulu en ait une, même si lui comme moi, nous avons des amis dans la presse. Donc, il y a une dernière question. Le verrouillage de la magistrature suprême. Vous savez, nous avons des problèmes plus sérieux que ça, dont nous devions parler. Les problèmes qui menacent les Congos dans son existence, sa cohésion. Tout ça, tant que le peuple ne sera pas souverain pour s'autodéterminer, y compris pour cette question-là sur laquelle on peut l'interroger. Il n'y a rien qui sortira des individus dans leur règlement de compte alors qu'ils sont supposés être ensemble. C'est dommage, quoi. Donc, attendons la souveraineté. Nous pensons que c'est le peuple qui pourra se déterminer sur cette question, y compris, par exemple, dans une approche qui consisterait à les consulter référendairement parlant. Le risque, là, c'est du théâtre. Voilà. Monsieur Martin Fayou. Merci. Je ne pense pas que je dois beaucoup parler aujourd'hui, mais je réponds juste à une question. Pourquoi vous n'allez pas à l'Assemblée nationale? Écoutez, chers journalliste, vous savez ce qui se passe au Mali aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a dit au Mali? On a fait un coup d'État, et on a fait un coup d'État dans le coup d'État. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Congo. L'union sacrée, c'est quoi? Il y a eu un hold-up FCC cash. Ils ont fait cet hold-up en 2019, depuis 2019, pour les élections qui ont eu lieu le 30 décembre. Mais dans cet hold-up, ce coup d'État, on a dépossédé le peuple de ces élections, je dis bien de ces élections, de ces résultats, de ces suffrages. On a donné au FCC cash. Monsieur Tshisekedi est venu avec l'Union sacrée faire un coup d'État dans les coups d'État. Au Mali, tout le monde en parle, tout le monde s'en plaint. Et pourquoi les gens ici considèrent ça comme si c'était normal? Pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures? L'Assemblée nationale est autant illégitime que Monsieur Tshisekedi l'est. Nous l'avons dit et nous le répétons tous les jours, ils n'ont jamais été élus. Donc, nous avons accepté la situation des faits. Nous sommes dans cette situation et nous disons, voilà, il faut faire des réformes. Et après les réformes, nous allons aux élections, les élections impartiales, les élections crédibles, pour que le peuple est peuple, il sait. John Chingombe, vous dites que, ben voilà, partout à l'Est, on dit que vous allez être élu s'il y a élection demain, même s'il fraude. Mais oui, le peuple sait, et nous le savons, mais nous ne pouvons pas aller
aux élections avec des lois qui sont des lois iniques, avec des lois et des personnes qu'on va mettre en place pour favoriser un camp. Nous voulons éviter ça au peuple. C'est pour cela que nous disons au peuple congolais, écoutez, peuple congolais, c'est à toi. C'est toi le souverain primaire. L'article 5 le consacre. La souveraineté appartient au peuple congolais. Donc, ces gens-là veulent maintenant nous déranger. Comme ils ont essayé de le faire en 2015, et que le peuple s'est soulevé. Rappelez-vous la semaine du 19 au 26 janvier 2015. Rappelez-vous cette semaine-là. Et donc, nous disons au peuple aujourd'hui de faire autant. Et il faut marcher, il faut barrer la route à ces gens-là, il faut protester. Et je sens, je reçois déjà des gens, des coups de fil et des gens qui me disent qu'est-ce qu'on fait. Et je demande à M. Mousseau et à son Assemblée nationale d'arrêter cette aventure parce que c'est une aventure dangereuse. Mobutu, paix à son âme, il est parti, il nous a laissé une chose. Il nous a laissé quand même l'unité nationale, la cohésion nationale. La cohésion nationale que Lumumba a réclamée en 1960. La cohésion nationale que Kasavubu a réclamée le 30 juin 1960. Lisez son discours et lisez le discours de Lumumba, vous allez le comprendre. Et cette cohésion nationale, M. Tshisekedi les met à volo. Aujourd'hui, mais on parle de tribalisme. Moi, je suis né dans la ville de Kinshasa, je n'ai jamais connu cette affaire de tribalisme. Aujourd'hui, le pays est totalement divisé et nous cherchons la cohésion nationale. Et cette cohésion nationale ne viendra pas avec les aventures de M. Mousseau. Cette cohésion nationale ne viendra pas avec ce que M. Tshisekedi cherche à tout faire et à s'organiser. Il s'est organisé au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous disons que cette Cour constitutionnelle est illégale, nous n'accepterons pas. Il veut maintenant s'organiser au niveau de la loi sur la CNI, nous disons non. Et après, il viendra avec la loi électorale, nous dirons encore non. Donc, aujourd'hui, ce que nous cherchons, et nous l'avons dit, il faut que toutes les parties prenantes se mettent d'accord sur l'essentiel. Et c'est cet essentiel-là qui va nous conduire aux élections. Merci. Merci. En 2018, M. Martin Fayulu a gagné. Ils n'ont pas pu frauder, entendez-moi bien. Les résultats des urnes traduisaient les choix du peuple. C'était Martin Fayulu. Mais c'est au sortir qu'ils ont falsifié ces élections. Nous sommes sûrs qu'on va gagner. On est sûr. Si nous revendiquons, nous disons maintenant, puisqu'ils risquent d'être seuls à la sortie des résultats, ils risquent encore une fois de falsifier les élections. Et nous ne voulons pas que le peuple souffre encore dans la lutte pour sa victoire. Voilà pourquoi nous sommes en train de prévenir. Ce n'est pas que nous doutions de ces résultats. Non, la victoire est certaine. Merci. Nous allons prendre 3-4 questions. Or, quand nous demandons de discuter, ce n'est pas de discuter directement avec lui. Nous voulons discuter avec son camp à travers un médiateur neutre. Mais nous discutons comme partie prenante, comme des gens qui vivent, c'est pas comme des gens qui viennent à lui comme chef de l'État, encore qu'il ne peut pas discuter de questions partisanes en tant que personne, entre guillemets pour l'instant. Ensuite, nous n'attendrons pas 2023 à la veille des élections pour discuter de ces choses. Parce qu'en 2023, si la dynamique électorale n'est pas amorcée, ça signifie qu'on est dans un scénario de glissement. Ce ne sera pas acceptable de la part du peuple, c'est clair. Le peuple aura déjà décidé les choses autrement. Bon, la deuxième chose, c'est la contribution. Nous ne pouvons pas donner des montants. Nous ne voulons pas gesticuler. Il y en a qui pensent pouvoir se substituer à l'État en l'ayant rendu inopérant. Et faire de bienfaiteurs, c'est un acte humanitaire qu'on fait plus ou moins dans la discrétion, on ne dicte pas les montants, parce que ce n'est pas sur ça que le peuple va nous juger. Le peuple va nous juger sur ce que nous pourrions faire de lui, de son milieu, de sa nature, de ses richesses, pour qu'il soit souverainement pas servi par les dirigeants qui, aujourd'hui, ne s'occupent pas de lui dans le cadre de leurs fonctions, veulent donner. Moi, j'ai suivi M. Kamere donner une liste de leaders
bon, sur laquelle il était d'ailleurs. Moi, je dis qu'il était là parce qu'en fait, les tombeaux étaient vides. Voilà ce que je peux dire. Donc, ce n'est pas aux hommes politiques de se substituer à l'État, à la place de l'État, pour libérer ce peuple pour ce qui concerne ses droits, c'est-à-dire les sécuriser en dégageant des moyens financiers. De toute façon, l'État, même en faillite comme c'est le cas, l'État est toujours le plus riche de toute la nation, de tous les citoyens mis ensemble. Mais on ne veut pas que lui-même agisse, on veut l'appauvrir pour émerger en donateur et donc espérer avoir de lui les soutiens, l'assentiment et l'appréciation. Je crois que c'est quoi. Derrière le président Martin Fayulu, plus rien à l'heure du jour pouvait disposer.